Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, montré d'exercices, mais j'ai des trucs à dire. Et c'est pour ça que je fais une petite vidéo mise au point de tout ça. Alors, pour commencer, je tiens à dire un tout petit truc sur l'affaire Marvel Fitness. Parce que oui, comme tout le monde, je suis dégoûté de fou de ce qui s'est passé. Pour moi, il ne mérite clairement pas ce qui s'est passé. Et voilà, il faut savoir que Marvel, c'est une personne que j'ai suivie depuis le début. Avant CJ me l'abonner, j'ai déjà validé son travail. On discutait, il m'a donné quelques conseils aussi, il m'a donné de la force. Donc, je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait. Mais j'espère que justice sera faite pour lui. Et si tu connais pas l'affaire, il y a plein de chaînes qui en parlent très très bien. Moi, je ne ferai pas un résumé de l'affaire. Franchement, comme j'ai dit, il y a beaucoup de chaînes qui détaillent point par point des erreurs, des failles de l'affaire. Donc, je vous invite à aller voir ces chaînes-là et aussi à suivre le hashtag Free Marvel sur Instagram. Au niveau de moi, ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas fait de sport. C'est incroyable. Il s'est passé trop de choses. Déjà, comme tu le vois, là, ben, j'ai emménagé hein, autre part. Ce qui fait que quand tu emménages, tu dois monter les meubles, tu dois faire des travaux, tu dois accrocher des trucs. Là, voilà, ça prend énormément de temps de bien meubler. Et en même temps, quand tu passes une journée à construire, tu peux pas aller à la salle après. Tu es trop fatigué. Et voilà, c'est un gros point, ça déjà. Là, pour cet appartement, ça nous a pris à peu près 2 à 3 semaines pour tout emménager. Ça veut dire que j'allais à la salle genre une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Mais je pouvais vraiment pas, j'étais trop fatigué parce que je travaillais en même temps. C'était vraiment compliqué à suivre un entraînement avec des travaux et le travail. Ensuite, tout allait bien, tranquillement, je fais un petit rendez-vous médical et je vois qu'il faut que je fasse une opération qui n'était pas primordiale, hein, mais je l'ai choisi de la faire. Ce qui m'a mis une semaine sur le carreau sans rien faire. Parce que quand tu subis une opération, après, tu es obligé de rester alité, tu restes couché. Mais bon, ça va, c'était pas un truc de ouf. J'essaierai d'en parler dans une vidéo dédiée à ça. J'ai pas envie de mélanger tout et tout. Mais bon, j'ai fait une petite opération qui m'a fait une semaine couché. Et ben, ça a dégradé encore plus mon entraînement. Et suite à mon opération, bon, déjà de base, on m'a dit, bon, vas-y, la semaine prochaine, tu pourras aller à la salle. Mais moi, voilà, je me suis dit, bon, je me laisse 2 semaines tranquillement, je vais pas faire le fou. On ne sait jamais, tu vois, une semaine, c'est court, 2 semaines, c'est bien. Et pendant ces 2 semaines, bah, j'ai fait quelques vidéos, parce que voilà, mon activité aussi, c'est la vidéo. J'ai fait quelques vidéos pour des athlètes à On Air Fitness. Tu te souviens de la vidéo que j'ai parlé d'On Air Fitness, comme quoi cette salle est incroyable? Ben là, en faisant une vidéo dans cette salle, je me suis remarqué, enfin j'ai remarqué que cette salle est encore plus incroyable que ce que je pensais, tu vois. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une vidéo pour mon gars Nice Jojo et l'athlète Régie NFC pour ce contenu YouTube. Et franchement, j'ai pris un réel plaisir à filmer dans cette salle-là. Le seul point négatif, enfin le gros point négatif de la salle On Air, c'est la lumière. Mais après, tout dépend de l'espace. Ils ont un espace de machine, l'espace Hammer Strength, qui est l'espace où il y a la meilleure lumière, clairement. Les meilleures machines, la meilleure lumière. Mais tout le reste, enfin pratiquement tout le reste, c'est compliqué, il faut venir avec des petites lampes en ajout de lumière en vidéo. Mais sinon, la salle, elle est juste incroyable. Au niveau de moi et le sport, on va revenir à ça parce que c'est le point important. Et c'est aussi c'est le but de la vidéo et de la chaîne YouTube. Il y a eu la casse, ouais, il y a eu la casse. Il y a eu la casse, j'ai perdu du muscle, j'ai pris du poids. C'était compliqué, mais ça va. On va dire. J'ai pas tout perdu, mais j'ai quand même perdu, tu vois. Au niveau du retour caméra, ça va. Là, on dirait que je suis bien et tout. Ça, c'est parce que ça fait depuis 4 jours que j'ai repris le sport tranquillement avec un bon rythme. Tu vois, et moi, je suis pas le genre de personne qui fait une reprise et tout. Là, je suis frustré, tu vois. Là, c'est pas genre le Covid, je reviens à la salle tranquillement. Là, je suis frustré, donc je suis revenu avec des supersets, avec un grand entraînement. Je sais qu'il faut pas le faire en général. Mais voilà, j'ai pris les précautions, je me suis bien échauffé, j'ai fait les choses bien. Et je suis revenu avec du lourd et un programme structuré. Là, par contre, ce que je vais essayer de rattraper, ça va vraiment être le dos. Parce que le dos, voilà, le dos, c'est un retard de fou.
et moi j'ai envie de remplir mon dos. Donc mon programme dos, je l'ai structuré en deux séances, en deux jours séparés, que ce soit pour la partie haute du dos et l'arrière des épaules, et la partie basse, parce que moi c'est la partie basse que j'ai envie de développer et que j'ai envie de sortir dans mon dos. C'est très important. Mais aussi, voilà, aussi tabasser sur les bras, qui était mon point fort et qu'il faut que ça reste mon point fort, parce que c'est très important. Comme je l'ai dit dans une vidéo, les points forts en musculation, c'est pas parce qu'ils sont forts qu'il faut pas les faire. Ils sont forts, faut les tabasser. En tant qu'athlète naturel, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se démarquer. Donc on a des points forts, on les tabasse, c'est très important. Là, ce qui est dur là, parce que ça reprise, c'est le manque de compléments alimentaires. Là, je me sens fatigué, j'ai mal, j'ai des courbatures de fou furieux. Et là, je sens le manque réel de BCA. Parce que j'avais l'habitude de prendre des BCA, c'était mon seul complément que je prenais, des BCA. Et là, je le sens. Je le sens que c'est dur, c'est compliqué. Du coup, j'ai fait une commande chez MyProtein. Ouais, je sais que tu peux me dire, oh, MyProtein, c'est compliqué, c'est pas de la qualité et tout. Tous les compléments, c'est les mêmes, c'est pareil. Il faut juste prendre les bons, il faut prendre la base. J'ai pris la Whey Native, j'ai pris des BCA, quelques vitamines, mais je te montrerai ça quand je vais recevoir le colis tranquillement. Parce qu'il faut savoir une chose, moi je commence toujours avec un petit peu de compléments et dès que c'est bon, j'arrête et je garde que les BCA, c'est tout. Après voilà, si j'ai pris ma protéine, c'est parce que c'est pas très cher. En plus, t'as des influenceurs, ils ont un code promo à 40%. Donc voilà, j'en ai profité, clairement j'en ai profité. Mais bon, je te dirai tout ça dans la vidéo unboxing MyProtein et tout. Au niveau de moi, je vais faire des vidéos où je vais t'emmener à la salle tranquillement. Je vais pas t'emmener, je vais parler avec la caméra. Ouais, non. Je vais faire des vidéos où je serai focus dans mon entraînement. Parce que là, mes entraînements, ils sont plus les mêmes. Là, je rigole plus dans les salles. J'ai mes écouteurs, j'ai mes AirPods, j'ai la musique et je pousse. Je parle plus, je rigole plus. Je m'entraîne tout seul. Je m'entraîne plus en groupe. J'ai plus le temps de m'entraîner en groupe. Je m'entraîne tout seul. Jusqu'à que je me sente bien, que je rattrape bien, et après je pourrai rigoler. Donc, je viendrai avec ma caméra en salle. J'essaierai de venir les matins, faire une bonne séance le matin, tu filmer ça, et après discuter avec toi de ma séance tranquillement à la maison, en face cam, comme je le fais maintenant. Suite à toutes les vidéos que j'ai faites pendant le confinement, je tiens à vous remercier. Parce que là, ça fait un mois et demi ou deux mois que j'ai pas sorti de vidéo. Mais vous continuez à regarder les vidéos, vous continuez à mettre des commentaires, vous vous abonnez à la chaîne. J'ai gagné plus de 200 abonnés. Alors que de base, quand je ne sors pas de vidéo, il n'y a pas d'abonnés. Ben là, il y a eu plein d'abonnés. Parce que moi, j'étais très actif pendant le confinement. Donc, je vous remercie. Aujourd'hui, là, on va plus s'entraîner ensemble. Je vais te donner quelques techniques d'entraînement hardcore. Si tu peux suivre, vas-y, si tu peux suivre, on va essayer de donner quelques conseils, quelques adaptations. On va voir ce qu'on peut faire, tu vois. Mais on continue la chaîne. Bah oui, j'ai pas disparu, je suis toujours là. J'attendais juste d'être en forme et de me sentir bien avant de revenir faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais voir aussi si je te ferai quelques vidéos en te montrant quelques rushs, en te montrant mon activité dans la vidéo, parce que oui, j'ai fait des vidéos pour plusieurs personnes et c'est quelque chose que je prends du plaisir à faire de jour en jour, de mois en mois, excuse-moi. Et voilà, je prends vraiment du réel plaisir à faire la vidéo et j'arrive à atteindre, on va dire, un bon niveau qui me convient. Donc, je verrai si je ne partagerai pas quelques contenus par rapport à ça sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est une marque de vidéo qui veut sponsoriser la chaîne, qui veut m'envoyer des caméras gratuites Panasonic GH5. J'ai ça, je dis rien, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas. On profite, il faut faire ça. Bon, sur ce, j'arrête de dire n'importe quoi. Je tiens encore à tous vous remercier, à ceux qui s'abonnent, aux nouvelles personnes qui s'abonnent et qui me suivent. Moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.